Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit JRPG, un petit jeu indépendant, j'ai envie de dire. Un petit jeu probablement méconnu. Et je me suis dit, écoutez, pourquoi pas faire une petite vidéo ensemble de gameplay pour voir ce que le jeu a à vous proposer. Et si on se sent un petit peu bercé par la nostalgie et que le jeu est assez qualitatif, pourquoi ne pas démarrer un let's play? Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Shine Echoes. Donc un petit JRPG traduit en français comme vous le voyez, c'est un petit JRPG à l'ancienne et j'avais envie de découvrir ça avec vous directement en vidéo. Donc je sais pas trop ce qui nous attend, j'ai pas vraiment lu de résumé, j'ai pas vu de bande-annonce, je n'ai rien vu. Je l'ai eu en plus pour à peine 10€ sur Nintendo Switch parce que j'ai utilisé tous mes points or. Et voilà, c'est l'occasion de vous proposer pour une fois un petit peu de jeu indépendant, je sais que j'en fais pas beaucoup sur la chaîne. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, allons-y. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner bien évidemment pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et bien sûr, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aidera toujours pour la visibilité. Donc on va tout de suite lancer une nouvelle partie, et on va voir un petit peu ce qu'a à nous proposer ce petit JRPG. Et écoutez, bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un let's play sur le jeu, vous me le mettez dans les commentaires. C'est l'heure de se lever, Glenn. Ça fait trop bizarre de jouer à des jeux vraiment un peu genre pixel art 2D sur... Parce que vous le savez, moi je joue sur vidéoprojecteur, j'ai un écran de 3 mètres et ça fait toujours bizarre de voir ce genre de jeu sur un écran aussi grand. Parce que la qualité, elle est quand même là, hein. Le jeu est pas flou ou quoi, c'est vraiment super bien fait. Et je trouve ça super stylé de pouvoir jouer à ce genre de jeu sur un écran de cette taille. Bref, on reprend. Regarde comme le ciel est beau. C'est encore si tôt. Oh, ça suffit, habille-toi vite. Tes amis vont arriver d'une minute à l'autre. Ah ouais, d'accord. Alors, voyons voir le menu. Donc, on peut voir notre personnage ici. Visiblement, il n'y a pas de level dans ce jeu, mais il y a des SP et des étoiles. On verra à quoi ça servira. On voit que le royaume de Tarin a conquis Warshire il y a quelques jours et on t'a payé pour le reconquérir, d'accord, quête principale, ok. On a l'équipement, l'inventaire, le journal, le système, on voit qu'on a 600 de la monnaie du jeu. Et voilà, 3 étoiles, je sais même pas ce que c'est, bon voilà. Comme d'habitude, j'aime toujours bien pouvoir regarder les menus dès qu'on commence le jeu, c'est assez important. On aperçoit déjà la côte, alors arrête de roupiller. Hein? Je suis déjà... Les choses vont bientôt se corser. Alors debout, maman. Dis de te réveiller, nom d'une pipe. J'y crois pas, on est en pleine mission suicide et lui, il fait la sieste. Non, en fait ça fait des jours que je ne dors pas à cause de cette mission, je... Je m'en contrefiche, mon garçon. Lève-toi et bouge-toi les fesses. Va voir le capitaine sur le pont. Alors franchement, la musique, excellente. Déjà là, je suis agréablement surpris. Wow, j'adore. Elle est magnifique, la musique. Eh ben... Il a dit d'aller voir le capitaine. Logiquement, le capitaine doit être tout en haut. Peut-être un peu. Du calme. Maintiens le ciel au-dessus de nos têtes dégagées et nous nous occuperons de l'ennemi au sol. On forme une équipe. Ensemble, personne n'a de chance contre la bande du taureau de fer. Tu as raison. La chance nous sourit depuis des années tant que j'ai ce porte-bonheur. Oups. Tu l'as fait tomber. Il est cassé. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas du tout un mauvais présage. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que notre nom a été traîné dans la boue que ces affreux babouins n'amendent que nous devons maintenant accepter cette mission suicide. Si nous survivons, nous nous vengerons. Et il m'empêche de passer en fait, donc ça va être compliqué d'aller sur le pont. À moins que c'était là. Donc en fait c'est un aéronef et non pas un bateau. Que tous les hommes se tiennent prêts au combat. Cette avant-garde ne sombrera pas au fond de l'océan.
Ah, Glenn, notre pilote d'élite. C'est pas trop tôt. Pardon. Pas le temps de s'excuser. On va bientôt atteindre la côte. Glenn, Killian, prenez vos armures célestes et partez devant. On vous suit. À vos ordres, capitaine. Notre objectif, la pierre d'Opus. C'est elle qui alimente les canons à éther en énergie. On détruit ce truc et on libère le chemin pour l'arrière-garde. Compris ? Oui, capitaine. Notre client est persuadé qu'on ne s'en sortira pas vivant. Mais comme il nous a promis d'inonder nos familles d'or, si nous mourons, on a décidé d'accepter cette mission malgré tout. On va quand même leur prouver qu'on peut survivre. On ne va pas laisser nos familles dépenser nos salaires sans nous, pas vrai ? À la bande de taureaux de fer. À la bande du taureau de fer. Ça commence mal. Quoi ? Déjà ? Leur canon ne devrait pas nous atteindre si tôt. Maudit arrière-rien. Et leur satanée technologie. Allez, on y va. Tu es prêt, partenaire ? Je pense que oui. J'adore ça. C'est stylé, je trouve. What ? Quoi ça ? Killian, tu crois qu'on peut y arriver ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que oui. Est-ce que tu as les pétoches ? Non. Enfin, peut-être un peu. Ne t'en fais pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer, de détruire la pierre d'Opus et de sortir. L'arrière-garde s'occupera du reste. Ouais, ça va être un jeu d'enfant. En temps normal, il faudrait travailler 3 ans pour gagner autant. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent ? Je sais pas trop. J'ai bien un rêve, mais même cet argent risque de ne pas suffire. Raconte. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre armure céleste. C'est génial ! Qu'est-ce que tu ferais avec ? Elle ne servirait pas juste à se balader les jours de beau temps, pas vrai ? Je ne sais pas. Je ferais probablement la même chose qu'avant. Mes armures célestes sont faites pour le combat, après tout. Mais je pourrais la bricoler et la perfectionner moi-même. Tu aurais la chance d'aller n'importe où dans le monde, et pourtant, c'est les champs de bataille que tu choisirais. Je n'ai rien d'autre dans ma vie. Depuis le jour où tu m'as sauvé, tout ce que j'ai, c'est notre groupe de mercenaires. Toi, c'est différent. Tu as une famille, un chez-toi. Qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent ? Tu sais bien que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi aussi, je choisirais le champ de bataille. La route est encore longue avant que je puisse concrétiser mon rêve. On dirait qu'on va devoir se supporter encore un moment. Si on survit à cette mission. Que peut-il arriver de mal quand on a un pilote d'élite, pas vrai ? Bon, vous deux, arrêtez de recouler. Vous êtes prêts ? Vous pouvez y aller ? Bonne chance, Glenn. Donc en gros, on est équipé d'une armure céleste. Et c'est de ça qu'il sous-entendait qu'on était le pilote. Attention Glenn, l'ennemi envoie ses armures célestes dans notre direction. Et si tu leur montrais de quoi tu es capable ? Je parie que tu peux en venir à bout tout seul. Quoi ? Alors, les combats se jouent au tour par tour. Toi et tes ennemis choisissez vos actions à tour de rôle. L'ordre de chaque tour est affiché dans le coin supérieur droit. Les points de vie ou PV représentent la santé. Lorsqu'ils atteignent 0, le personnage ne peut plus jouer. Les points techniques ou PT sont utilisés pour les compétences. Les PV et PT sont entièrement restaurés après chaque combat. L'icône située à côté d'une compétence indique son type. Vaincre les ennemis au combat te permet de recevoir différents butins. Des butins qui peuvent être vendus pour de l'argent ou pour débloquer de nouvelles bonnes affaires. Des matériaux qui peuvent être utilisés pour améliorer les armes. Des points de compétences ou PC utilisés pour améliorer les compétences, et enfin des points de rébellion pour divers avantages dans la boutique de clan. Une fois l'ennemi vaincu, ton butin apparaît immédiatement, mais tu ne le reçois qu'une fois le combat terminé. Ok, d'accord, donc c'est parti, on y va, on voit l'interface de combat. Donc on a quand même beaucoup de PV là en mode armure céleste. Faites voir, bombe de poison, une seule attaque physique, inflige poison pendant 5 tours. On va essayer. Ok, nickel. Ah ouais, laisse tomber. Ah, rien de plus facile pour notre pilote d'élite. On ne devrait pas perdre notre temps, Killian. Alors prépare-toi, voici un nouveau challenger. Donc là, forcément, mes points de vie sont restaurés. On va faire bombe de poison pour commencer. Je pense que c'est la stratégie la plus idéale. Ensuite, on revient sur perceur. Wow, la puissance.
Ah ouais, d'accord. Bien joué, Glenn. Maintenant, la pierre d'opus. Oh là. Wouah. Fais attention à leur canon. Oh mince. Bon sang. Kylian. Ah, mais lui aussi, il a été touché. Est-ce que ça va? Bien sûr que non, les armes célestes étaient notre meilleure chance pour atteindre la pierre d'opus. Tant qu'on aura des jambes pour marcher et des bras pour brandir une épée, on ne va pas abandonner. Il est grand temps que tu apprennes à te débrouiller sur un champ de bataille sans ton armure céleste. Tu t'es suffisamment entraîné, mais ici, sur la terre ferme, ne me quitte pas d'une semelle, compris? Oui. On va se frayer un chemin à pied jusqu'à la pierre d'opus. Une fois qu'on l'aura détruite, il ne nous restera plus qu'à atteindre l'arrière-garde. Ok, j'imagine que c'est parti, on y go. Ok. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Donc là, on continue. Oh là. Premier combat. Ah oui, là, c'est pas la même chose. Regardez le nombre de PV qu'on a, c'est hallucinant. 10 000 de défense. Ok, on va faire ça. Ouais, ils font mal quand même. Ah oui, joli. Nickel. Parce que par contre, les points de compétence, ça se passe comment? On n'y a pas accès là pour l'instant. Et non. Malheureusement. Allez, nouveau combat. Lui, il a quand même un bouclier, donc on va faire attention. Ok. Là, on va faire ça. Ok. Ah ouais, joli. Ah, il est fort, lui. Lui, c'est un petit sac à PV. Un petit coup critique. C'est gagné. Ok, donc là on doit rentrer ici. Petit coffre là avec un encas, ça nous restera les points de vie. Oh là 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 là. Il y a leur vaisseau qui vient d'être anéanti. Allez, nouveau combat contre un de ses gardes armés. Comme tout à l'heure, on va essayer de lui baisser sa défense dans un premier temps. Ok. Ça se passe pas trop mal. C'est gagné. On continue d'avancer. Petit coffre peut-être par là. Je m'en doutais. Donc là on est censé rentrer à l'intérieur. On descend en bas. Et ensuite on continue par là. Attention, Glenn. Wow, c'est pas passé loin. D'autres arrivent, prépare-toi. Ils sont trop nombreux. Besoin d'un coup de main? Ben ouais, plutôt. Capitaine, montre-leur la puissance de la bande du taureau de fer. L'équipe la plus forte de toutes. La barre de synergie est au cœur du système de combat. La barre comporte trois zones: jaune, verte et rouge, qui représentent l'état du groupe. Le curseur indique la position actuelle sur la barre. Pratiquement toutes les actions déplacent le curseur vers la droite. Le petit curseur montre où le curseur va se déplacer lorsqu'une action est choisie.
Dans la zone verte, le groupe est bien échauffé et il est en parfaite harmonie. C'est ce qu'on appelle la synergie. En synergie, le groupe subit moins de dégâts et en inflige plus. Et surtout, il n'a besoin de dépenser que la moitié de ses points techniques pour ses compétences. Éventuellement, le groupe finit par atteindre la zone rouge et se retrouve en surchauffe. Cela permet à l'ennemi d'infliger des dégâts massifs. Pour rester en synergie, le curseur doit être ramené vers la gauche. Cela peut être réalisé grâce à l'une des actions suivantes. 1. En synergie ou en surchauffe, une icône apparaît dans l'encadré à gauche de la barre. Cette icône représente un type de compétence. Le nombre à côté indique le nombre de tours dont dispose le groupe avant que le type de compétence ne change. Si tu utilises une compétence du même type, le curseur reculera considérablement vers la gauche. Les compétences du type correspondant sont également indiquées en jaune. En 2, le changement de personnage en cours de combat. Plus de détails plus tard. En 3, utiliser l'action défendre. Et enfin en 4, utiliser un coup ultra. Plus de détails plus tard. Les actions déplacent la position du groupe sur la barre de synergie. Essaie d'atteindre la zone verte et d'y rester. Effet de synergie, les dégâts infligés sont augmentés, les dégâts reçus sont diminués, les compétences coûtent moitié moins de PT. L'effet de surchauffe, zone rouge de la barre, augmente les dégâts reçus, reste en dehors. Utilise différentes options pour faire reculer le curseur vers la gauche. Ok, c'est parti. Ok. Attaque groupée, c'est toujours très pratique. Nous sommes en synergie. Allez, un de moins. Explosion de feu. Oh, c'est joli ça. Allez, un de moins encore. Mes points de vie sont pas trop mal. Ensuite, taille en croix. Bah écoutez, on y va. Nickel, plus que deux. Ensuite, ben, encore grande balançoire. Il y en a un qui devrait pas tarder à mourir. Nickel. Aïe, 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 aïe. C'est gagné. Alors comme ça, tu es en vie? À peine. Crétin, les armures célestes constituent notre meilleure chance de mettre fin à tout ça rapidement. Mais on faisait pas le poids. On parle de toi comme d'un pilote d'élite, et pourtant tu ne peux même pas. La ferme tous les deux. Ménagez vos forces. La pierre n'est pas loin. On va se battre contre les prochains ennemis à pied. En avant. L'armure céleste. Encore? Ça craint. Pas d'autre choix que de l'affronter maintenant. Ne vous inquiétez pas, capitaine. On va s'occuper. On va s'en occuper. Allez détruire la pierre. Vous n'avez pas intérêt à mourir, vous m'entendez? Bien sûr. Donc, l'ennemi a atteint la pierre. Toutes mes excuses, monseigneur, mais les pertes ont été... Épargnez-moi les détails, tout se déroule comme prévu. Il est temps de passer à l'acte final. Bizarre. Très bizarre même, j'ai envie de dire. La pierre d'Opu. Une fois qu'elle sera détruite, les canons éthers seront à court d'énergie. Votre attaque s'arrête ici, bande de monstres. C'est encore cette armure céleste. Cela veut dire que les autres sont...
Je me souviens de cette armure céleste maintenant. C'est Wiwan, un célèbre double face qui la porte. Et je vous connais aussi, bande du taureau de fer. Quelle folie vous a pris d'accepter une telle mission? Qu'a bien pu vous promettre Gravos? De l'or qu'il ne possède pas? Est-ce que vous réalisez au moins à quoi vous avez affaire? Il faut qu'on passe. Ensuite, on pourra briser la pierre. Pas si je vous fracasse d'abord le crâne, bande d'idiots. Ok, c'est parti. Parole motivante, on démarre. Waouh, s'il fait des attaques groupées comme ça, ça va être compliqué. On va baisser sa défense. Ah bah oui, il frappe empoisonné, ça peut être très utile. Faut faire gaffe au PV parce qu'il enlève vraiment beaucoup de points. Hein. Pas trop trop mal. Prochain tour, je restaure... Ouais, c'est pas très fort, je m'en doutais un peu, mais... Ouais, voilà. Lui, il va falloir lui restaurer les points de vie, clairement. Nickel. Main secourable, on y va. Parfait. J'ai bien fait, on dirait. Ça se passe pas trop trop mal pour l'instant. Aïe aïe aïe. Surchauffe, sérieux? Nickel. Encore c'est lui qui a perdu le plus de points de vie. Ok, 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 ok. C'est gagné. On a réussi. Maintenant, occupons-nous de la pierre. Non! Commandant Kilian. La pierre de pu. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Glenn, fracasse-la. Arrête, petit. Ce n'est pas la pierre d'Opu. Elle n'alimente rien du tout. Ne l'écoute pas, vas-y. Non. Imbécile. Le grimoire. C'est quoi cette lumière ? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh là là. Valandis, un continent riche d'une histoire de plus de 3000 ans. Autrefois, il abritait la cité magique de Nissa, berceau des enseignements de la magie, mais depuis son effondrement, le Valandis est rongé par la guerre. Depuis 6 générations,
trois royaumes se livrent une lutte sans merci pour imposer leur domination. Au nord, le royaume de la pluie éternelle, Tharin. Au sud, le plus grand port de tout Valantis, Farnspor, au sein du royaume d'Inskania. Et enfin, à l'est, la fière nation de Gravos. En l'an 806 de la 7ème ère, Tharin a conquis Gravos. Quelques jours plus tard, alors que le pays tentait de reconquérir ses territoires perdus, la plus grande tragédie de la guerre est survenue. Une violente explosion a ravagé toute la partie orientale du continent. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. L'arme à l'origine d'une telle dévastation reste inconnue. Comme aucun des trois royaumes n'a admis avoir une telle arme en sa disposition, le doute et la peur ont fini par pousser les souverains à signer un traité de paix, ce qui a mis un terme à la guerre après 156 ans. En l'an 807, un an après la signature du traité de paix, une fête a été organisée à Farnspor pour célébrer cet anniversaire. Le voilà, Rob, j'avais raison, regarde par toi-même. Oh, c'est joli. Farnspor. Juste là, dans l'arbre qui se trouve sur la route de Dame Parnella. Je le vois, oui. Mais peut-être qu'il veut simplement regarder le défilé. Pourquoi aurait-il besoin d'une épée dans ce cas? D'autant plus qu'elles sont interdites pendant les festivités. Vous êtes certaine que c'est une épée? J'ai du mal à la distinguer. Rob, en tant que membre exemplaire de la garde citadine, notre priorité est de nous occuper de cette affaire. Mais nous sommes censés monter la garde au château aujourd'hui, princesse. Princesse Celestia Valkyria de Tharin, sœur du prince Frédéric, de sa véritable identité, peu avant la fin de la guerre, elle s'est enfuie du château pour découvrir le monde. Plus particulièrement les difficultés, les inquiétudes et les espoirs de son peuple, et ce, dans le but de devenir une meilleure princesse pour eux. Après moult péripéties, elle a rejoint la garde citadine dans le royaume ennemi de Tharin. Rob, ne m'appelle pas comme ça. Ah, pardon princesse, Rob. Désolé, Len. Héritier de la maison Rimer... Attends, Rimer... Ouais, bon. Rob a grandi en tant que pupille dans le château de Tormund, aux côtés de Len. Lorsqu'il a appris qu'elle comptait s'enfuir du château, il a insisté pour la suivre. Le bien-être de la jeune fille est sa plus haute priorité. C'est un miracle que nous n'ayons pas encore été découverts. Si quelqu'un ici se rend compte de ma véritable identité, quoi qu'il en soit, attends-nous jusqu'à la porte ouest. Même, je veux dire, pressons le pas. Dépêchons-nous ? Dépêchons-nous d'aller vers la porte ouest. Après avoir vaincu des boss ou terminé des tâches spéciales, le groupe gagne des éclats de grimoire. Un éclat de grimoire est comparable à un gain de niveau. Tu peux l'utiliser pour renforcer tes personnages. Obtenir un éclat de grimoire permet à tous les membres du groupe d'en bénéficier. Dans le menu Apprendre compétences, tu peux acquérir trois types de compétences. Des compétences d'action, elles peuvent être utilisées pendant les combats en les sélectionnant et en dépensant des points techniques. Des compétences passives, elles sont automatiquement activées pendant les combats. Et des boosts de stats, ils permettent d'augmenter une seule stat d'un personnage. Contrairement aux boosts de stats qui sont automatiquement ajoutés aux attributs de ton personnage et qui sont actifs en permanence, les compétences d'action et les compétences passives doivent être équipées. Cela peut être fait dans le menu Définir compétences. Tu peux utiliser des points de compétences dans le menu Définir compétences pour améliorer tes compétences d'action et tes compétences passives. Tu peux recevoir des PC en vainquant des ennemis. Chaque compétence qu'un personnage ennemi rapporte des PC. De plus, chaque personnage cumule des PC dans sa réserve personnelle et tu peux les assigner librement en n'importe quelle compétence pour ce personnage en particulier. Ok, bon, faites voir un petit peu ce menu compétences du coup, définir compétences, ok. Apprendre compétences. Là par exemple j'ai 0 PC mais j'ai une étoile, donc est-ce que c'est un éclat de grimoire? Ça veut dire que je l'ai appris ça? Non, donc si je fais ça je fais oui. De plus les stats suivantes ont augmenté. D'accord, donc en fait quand tu dépenses tes éclats de grimoire,
ça fait également augmenter les stats, ce qui effectivement équivaut à avoir un level en fait. C'est dommage qu'ils aient pas mis un système de level, je préfère, mais bon. Voilà, donc là par exemple on a fait ça, et ensuite dans définir compétences, ah ben ils l'ont équipé automatiquement. Bon écoutez, en tout cas je suis vachement hypé par le jeu, je trouve vraiment l'histoire commence avec pas mal d'action, des musiques qui sont franchement très originales, très bonne musique jusqu'à présent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, et bien évidemment si vous voulez un let's play sur le jeu, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas le let's play de Dragon Quest Treasure qui a commencé sur la chaîne, et bien évidemment le let's play de Final Fantasy VII Réunion qui commence la semaine prochaine. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, bye bye.